Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la dans l'épisode 2 et les Dangerous Horizon. Donc chers amis, nous avions pris une quête commerce équitable en plusieurs points comme vous pouvez le voir sur l'icône. Nous devons donc nous rendre dans le système Doris à Bibedoc. Baby, ouh. Je vais pas le faire, c'est bon, c'est fini, on le refait plus. Et grâce à ma connerie monumentale, Doris, si c'est bon. Il y avait Merguez en dessous, non c'était Maigresse, pardon. Bon, nous revoilà parti. J'aurais peut-être dû boire un coup avant de commencer l'intro. Ça aurait été mieux, mais ce n'est pas grave. On va sortir de cette station et on va aller faire cette quête en plusieurs points. C'est la première que l'on fait. Que ce soit ensemble ou pas, c'est la première que je fais là aussi. Alors, c'est parti. On accélère. Dépêche-toi devant, j'arrive! C'est bon. Hop les, niveau médiabilité, je te la mets dans le fion! Hop les, Doris! J'arrive, Doris! Ah bah merde, je m'en doutais. Je l'aurais parié, chers amis, c'est incroyable. J'arrive, Doris. Bah là, je peux pas être mieux, hein. Merci. Allez. Je vais pas arriver au bon endroit, ça va mal se finir. Chemin de travers. T'as pas oublié genre un son à la fin. Une syllabe phonétique. Alors. Ça m'a pas fait de. Ah. Putain. Ça va me le faire sur toutes les. Sur toutes les commandes, tous les systèmes que j'aurais pas visité. Excusez-moi. Baby, ooh. Oh là là. Aucun objet astronomique découvert. Bon, bah quand on a pas de bol, on a pas de bol, hein. Allez, on y va. Bizarre, je m'attendais à me faire attaquer, mais jusque là, ça va. Alors, si à chaque livraison par contre ça nous augmente la réputation, c'est cool. J'espère que c'est le cas, mais je pense pas, ce serait un peu OP, mais... Alors... Entrepreneur 1%, oula. Baby, ooh. C'est le bib. C'est le bib, Doc. Bon, ce serait pas exactement pareil, mais... C'est le bib, Doc. Alors, Simone. Attention. 3, 2, 1, 0. Bon. Baby, ooh. On sent à quel point je l'aime, le Bieber. Le Justin Bridoux. Ça, c'est quelque chose que j'aime, le Justin Bridoux. Par contre, si tu pouvais éviter de rentrer dans la station, parce que là, t'es bien parti pour quand même. Hein. Wow. Merci. Putain, faut que je le rappelle à l'ordre, le vaisseau, quoi. Je viens de penser à une vidéo, faudrait que je fasse. Oh, ça va être génial. Faudrait que je la fasse. Ça va pas durer longtemps, ça va être une vidéo connerie, chers amis, mais... Faudra que je trouve quelqu'un pour faire une voix off.
Ouais, j'ai ma petite idée de connerie là que je vais faire, chers amis, sur Raid Dangerous. Alors, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Là, on est à 7. Je n'ai absolument aucune idée. Nous n'avons rien à vous reprocher, commandant. La prochaine fois, peut-être. Salaud! Et on est à l'arrêt. Pourquoi? On va essayer de le débloquer un petit peu. Hop. Voilà. Je sais pas pourquoi il s'est arrêté. Peut-être qu'il a pas aimé que je. Oula, ou il a pas aimé le flic. Peut-être. Non, je veux pas y aller. Je veux pas me garer ici. Gare-toi ici. D'accord. Alors, service de spatioport. Paye, 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 paye. Non, je chante pas. Alors, j'espère que tout se passe bien au niveau de l'enregistrement. Voilà, c'est arrivé une fois, je vais stresser tout le temps maintenant. Commerce équitable. T'en restons 18h. 17h, pardon. Ouvrez la carte de la galaxie. Aliuto. Eh ben écoute, on y va. À 9 années-lumière, c'est pas très très loin. Par contre, on voit que ça ne donne pas. Bah oui, accepter, bien sûr que j'accepte, hein. Bien sûr que j'accepte. On y va. Mission mise à jour, commerce équitable. Génial. La suite, chers amis. On y retourne. Jusque-là, c'est pas très compliqué, mais j'imagine que plus on va avancer, plus on va être agressé. Et je ne demande que ça. Je veux être agressé. Je veux utiliser mon gros canon. Même s'il n'a rien à envier, même si, enfin si, même si je mange, j'ai toutes les raisons d'être jaloux du canon de l'Anaconda. Ou de la Fédérale Corvette, par exemple. Mais bon. Remarque, avec l'Expé Explorer et la quantité de sauts qu'il est capable de faire, je pourrais très bien faire ce que je veux au niveau du comment du comment de d'émission de je sais plus quelle station que je faisais avant. C'est génial. J'ai fait une station pour farmer les crédits, les millions, et je me rappelle plus comment qu'elle s'appelle. C'est excellent. Enfin bon, c'est pas grave. Est-ce que tu as bien redonné le stéréo, mon casque à la con? Merci. Alors, le petit saut, le petit saut, le petit saut, le petit saut. Bouh! Alors, où que c'est que je dois aller? Levinson Vision. Faut bien celle-là, je l'ai. Alors, allons-y. C'est parti, mon. C'est parti. Et c'est parti pour le show. Alors. J'adore. Alors, t'accélères ou pas? C'est vrai que je l'aide pas en bougeant le vaisseau comme ça. Tiens d'ailleurs à ce sujet. Inventaire, qu'est-ce qu'on avait dans l'inventaire? Un petit peu de fer, un petit peu de nickel, un petit peu de carbone, un petit peu de soufre, un petit peu de phosphore. Synthèse, on ne peut donc rien faire. Vous voulez voir par rapport à la réparation du vaisseau? Ça doit être ça. Ah, on n'a pas du tout ce qu'il faut. C'est pas grave. Oh, où est-ce que t'es? T'es là, je te retrouve. Bon. Alors. Est-ce qu'il y a une modification au niveau de l'icône pour voir au niveau du nombre de points? Non, pas du tout. Récompense 175 000, c'est rentable. Est-ce que ça a amélioré de quelques points? Non, pas du tout. Tant pis, hein. Moi, je vais. On va faire ça au fur et à mesure, chers amis, hein. On va voir ce que ça va nous rapporter. Alors.
4, 3, 2, 1, et c'est bon normalement. Un petit coup de boost. Une demande d'appontage. On coupe les moteurs et on laisse l'ordinateur d'appontage gérer son stationnement. Donc, alors, c'est le deuxième endroit sur lequel nous rendons pour délivrer quelque chose. Livrer quelque chose. Dans une zone neutre, d'accord. Jusque là, ça va. Rien de véritable problème. Ah, c'est marquant, c'est marrant, regardez. Alliot indépendant. C'est bon, ça. On est clairement au bon endroit. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, je peux faire ça. Landing gear deployed. Merci. Ça fait deux fois qu'il me fait un petit bug comme ça, c'est marrant. Hop les... Mais arrête de dire non à chaque fois que tu te gares. Regardez, il fait gauche-droite, il tortille du cul comme une gonzesse. Sans offense les femmes, hein. Les femmes et les filles qui me regardent d'ailleurs, parce que je sais pas du tout quelle catégorie d'âge ont les femmes et les filles qui me regardent. Mesdames et mesdemoiselles, on va dire. Voilà. Alors. C'est pas le tout, c'est que j'aimerais bien remonter au-dessus de la barre des 29 millions, moi. Alors. Transmettre le message. Pour finir, merci de livrer ce colis sur Shake Doc. Le contenu est confidentiel, mais je ne sais pas à quoi... Je sais que je n'ai pas à m'inquiéter, vous n'irez pas à coller votre nez dedans. Vous êtes un professionnel. Ok. Qu'est-ce que c'est? Inventaire, cargaison. Je l'ai dans le fion. Livraison express pour être indépendant. J'ai combien de temps pour le faire? 13 heures, c'est parfait. Pour 200 000, je vais pas dire non. Je serais stupide de dire non. Mouais. La mission échouera si le vaisseau se fait analyser. Non. Oh non, j'ai pas risqué ça parce que ça veut dire qu'il faut que je le fasse en premier. Shake Duck. Allons-y. Bah alors, pourquoi tu me le montres pas? Bah. Ah oui, d'accord, c'est là-dedans, c'est dans HDS. Bah écoute, on y va. On y va. Hop. Ça va bientôt faire 4 vidéos de tournée hein, si je finis celle-là. On reste encore 3 à faire derrière. Je sais pas si je les ferai aujourd'hui. Je devrais. Ou alors j'en tournerai qu'une parce que ça me fera comme ça une session plus longue sur l'autre série de vidéos. Oui, c'est la vie du youtubeur derrière hein. De 4 vidéos, ça fait 4 heures de montage. Alors j'ai ce qu'il faut en ce moment hein, pendant le montage, mais ouais. Alors, allons-y. Allons-y. J'y arrive. C'était vraiment génial cet épisode. Oh putain. Le rallye SRV. SRV Dakar. C'est peut-être ça que vous allez voir arriver sur la chaîne bientôt. Parce qu'il va y avoir des modifications sur les récentes sorties qui sont faites. Les récentes séries qui ont été créées. Parce que bon, j'ai des pépins. Heureusement que je suis tombé sur toi en premier. Quoi? Je vais te faire ta fête. Non. Quoique. Si, bien sûr que si, tu vas me la faire ma fête. Viens voir papa. Tu me files ta garçon ou tu prends la raclée de ta vie? Alors t'es quoi toi? Laisse-moi voir ce que t'es. Quoi? Va crever la... Quoi? T'es sérieux là? Tiens, bouffe.
train de me demander si, mes... si mon canon fait vraiment quelque chose. Boum. Ou alors il a un bon blindage, je sais pas. Ok. Voilà. Problème résolu. Au niveau des modules maintenant, je vais mettre... Enfin, je vais enlever plutôt. Le... Survolteur de bouclier. Parfait, il était enlevé. Donc voilà pourquoi j'ai pris autant de dégâts au niveau du bouclier. On va mettre tout dans la puissance du bouclier, un petit peu dans les moteurs, juste histoire de pouvoir faire ce qu'on avait à faire. Ça c'est pas tout de suite. Shake Doc. J'avais oublié. Shake Doc, Shake Doc. Faites qu'il soit pas trop loin. 3200 SL, c'est loin. Je voulais pas faire d'ellipse. Ah pardon. J'ai pas trouvé mon canon si puissant. Peut-être que je vais le changer encore une fois. On verra bien quand on sera à Elliot après tout, pourquoi pas. On verra bien quand on sera à Elliot. Hop, on voit nos boucliers se recharger petit à petit quand même. Hein. Heureusement d'ailleurs. Donc je savais qu'on allait se faire agresser à un moment ou à un autre, hein, c'était logique. Hein. C'est le principe de la mission, c'est passer plus de temps justement dans des zones où on a potentialité de se faire agresser. Et du coup... augmenter les risques. D'où le prix qu'il rapporte. 200 000 crédits, c'est pas rien. Alors, décélérer. Oui, c'est vrai que je vais un petit peu vite. Mais c'est pas par rapport à toi que je vais vite. Il y a un vaisseau autour de moi. Le voilà. Alors. Hop, en douceur. Est-ce que je vous fais une ellipse? Oui, je vous fais une ellipse. Allez, vendu. Alors, nous arrivons. Nous arrivons en douceur, mais nous arrivons. Hop. C'est tout ce qui compte. Alors, si j'ai pris aussi loin, c'est parce que justement, vous voyez une nouvelle cible en haut. Je pense qu'on a potentiellement la possibilité de se faire agresser. Appel de détresse, dis donc. Dis donc. Alors pour le plaisir, par contre là je vais enlever les orbites. Waouh. Ah par contre ça m'enlève le... Ah non. C'est beau. C'est beau parce que là il y avait beaucoup d'orbites à l'écran. Alors je sais bien que vous aimez bien quand il y a beaucoup d'orbites à l'écran. Hein. Mais quand même, merde. Alors. En douceur. Il n'y a plus personne au radar, de toute façon. Oh, me dis pas que j'ai trop accéléré! J'ai trop accéléré. Incroyable, hein? De rien en plus, hein? Ça s'est joué à rien du tout. Allez! Ah! Redresse! C'est bon. Wouhou! Que de difficultés, chers amis. Wow! J'ai boosté, j'aurais peut-être pas dû! Si, c'est bon, en fait, on en est assez loin. Re, chers amis. Alors, j'espère que ça va marcher cette fois-ci. Je suis désolé, il y a encore eu un bug. Hein. J'ai essayé plein de choses. Hein. Ça voulait plus pendant un temps, d'ailleurs, à vrai dire. On va bien voir ce que ça va donner cette fois-ci. Hein. Là, je commence à être dépité. J'ai encore quelques vidéos à tourner derrière, mais je ne vais pas les tourner. Je pense que là, je suis 4 vidéos aujourd'hui. C'était pas mal.
Là, c'est ouais, c'est une grosse déception. Hein. On va dire c'est une véritable déception. Soyons taffonnés, j'espère que cet enregistrement va bien se passer. Donc j'ai rendu la quête que vous n'avez pas vue, donc ça m'a fait, ça m'a renvoyé entre guillemets directement, hop, à Sudden Gateway. Donc vous savez, dans 78 sur Sae Majoris, là, l'endroit où on a pris la quête pour récupérer mon argent. Du coup, je me suis dit, tiens, j'ai passé par Alcor, je vais rendre la quête à la McDonald's Settlement. Et c'est là qu'on se retrouve ensemble, chers amis, et je vous refais une ellipse en espérant que cette fois-ci ça tienne le coup. Faut y croire, hein, putain. Voilà, on y est, chers amis, on en approche. Hop. Ça m'a coupé dans mon élan, c'est chiant. Ah. Vous qui êtes habitué à de la qualité, j'arrive pas à vous en fournir en ce moment. Je suis désolé, chers amis, hein. Entre l'épisode de Dark Dragon's Dogma et ce qui va se passer avec Dragon's Dogma, il va falloir que je vous raconte tout ça. Ouais. Bon, bah, en espérant que ça tienne comme ça. Hein. Ouais, jusqu'à s'il y a une mise à jour, à mon avis, de GeForce Experience hein, pour Shadowplay. Mais enfin, c'est comme ça. Alors, on approche. Cinq, quatre, trois, deux, un, et normalement c'est bon. Voilà. J'espère que ça tient. C'est bon. Hop, demande d'appontage. Stationnement en cours. Là franchement je croise les doigts, chers amis, hein. Là c'est une catastrophe. Hein. Une véritable catastrophe. Ouais. Parce que le pire, c'est qu'en fait, le logiciel normalement m'affiche quand il tourne, et il me l'affiche même quand il bug. Donc c'est là qu'est la catastrophe, chers amis. C'est véritablement catastrophique. Parfait. J'ai eu un doute, espace d'un instant, quand il avançait comme ça, en mode. Pom 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 pom. Scan detected. Alors, oui, bah tu peux me scanner autant que tu veux. Hein. Parce que ton scan est maintenant annulé. Hop, 37, juste là, c'est parfait. On va rendre la quête en espérant que ça nous fasse augmenter un petit peu notre relation avec Aliot Independence. Au final, vous avez loupé que 5 minutes, hein, à tout péter. Mais bon, c'est toujours ça. Et ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Heureusement qu'il n'y a pas eu de combat, parce que sinon ça aurait été épique et vous auriez tout raté. Hop. Hop. Alors, tu te dépêches. Merci. Donne la cargaison. Amico, toujours. Merde, on est toujours. C'est toujours pas suffisant. Alcor, y'a rien avec Aliot. Sympa, hein, putain. Commerce équitable, donc on va se rendre. Hop. 78 sur Sae Majoris. Non, ça c'est Aliot. 78 sur Sae Majoris, le voilà. Et on repart, chers amis. De toute façon, il va être l'heure, j'allais mettre vos vidéos en ligne bientôt. Oui, non, il est l'heure, techniquement, je devrais aller mettre vos vidéos en ligne. Oh putain, il arrive comme un malade, l'orca. Vous avez vu ça? Voilà, c'est bon. Esquivez. C'est parti. Fouah, ce que je t'ai mis. Hop les. Crac. Je te vois, comme ils disent dans Avatar. Pleine puissance. Bon. Et 3, 2, 1, et on est sorti. C'est pas encore ça, hein. C'est pas encore tout à fait ça. Bon. Alors.
Est-ce qu'on va réussir à avoir Allié sur la dernière mission du deuxième épisode de cette session? Est-ce que le prochain épisode se fera sur la possibilité d'avoir un Ice Explorer et sur son fitting? Ce serait cool. Ce serait carrément cool. Alors. C'est parti. On n'est pas très très loin, là je vais pas faire d'ellipse. Ça va accélérer comme il faut de toute façon. Y'a intérêt. Alors. Hop, on se remet comme il faut. Alors. En douceur. Hop. J'ai l'impression que tu vas un peu vite là. Ah putain. Je l'ai senti l'accélération, je l'ai entendu. Je me suis dit. Sac à caca. À moins que. Freine, bon sang. Non, raté. Raté. Bon, c'est pas grave. On retente notre chance. Et là voilà. One player shoot again. Ok. Bon. Croisez les doigts, chers amis, et serrez les fesses. Parce que là, ça va se jouer à rien, à mon avis. Je pense pas qu'on va l'avoir. Hein. Si on l'a, franchement, génial. Hein. Mais on l'aura pas. Je pense pas qu'on l'ait. Bien que l'émission nous ait demandé d'aller quand même hyper loin et de prendre beaucoup de temps, je doute qu'on l'ait. Putain, il booste. Hein. Ah, il a envie d'y rentrer, le machin. Vas-y, le bourrin. Pour. Vous voyez, il s'appelle Orbis. Je l'aurais peut-être pas appelé comme ça. Plutôt la couille là, l'Ocellus là, j'aurais appelé Orbis. Sauf si Ocellus a une signification par exemple en latin. Dans ce cas là, je serais ravi de l'apprendre, chers amis. Alors. En douceur. Non, pas cette musique, je la trouve vachement forte d'un seul coup, c'est bizarre. Hein. Et en plus, j'en chie à les tourner et en plus, il me pique mes droits dessus. Salaud. Bon. Atterrissage en douceur. Ah, je profite de voir qu'il y a de la lumière qui est très belle et une espèce de fumée en vapeur ambiante, vous voyez, à gauche. Pour dire qu'il y aura des améliorations graphiques et performantes. Enfin, des améliorations sur les aspects graphiques et les aspects performance du jeu. Donc il sera normalement plus facile à tourner avec des aspects graphiques meilleurs. C'est ce qu'ils ont promis. Pour ceux qui ont la configuration, en fait, il y aura de meilleurs graphismes. Entrée dans l'hangar, service de spatioport. Et on serre tout ce qu'on a à serrer, chers amis. Serrez pas trop fort votre... Enfin, voilà, quoi. Hop, et hop. Amical. Et merde. Bon. Par contre, ça va rien apporter. Ah, je peux donner de l'argent. Oh, je peux donner de l'argent pour être leur copain. Ça, il faut faire, chers amis. Ça rapporte. C'est toujours ça de donner. Hein. Amical, merde. Connard. Sans dévier. Bien sûr. Ouais.
Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Vous pouvez trouver dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez aussi retrouver dans la bannière un lien vers mon stream Twitch et un lien vers mon partenaire Gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert Fallout 4, Star Wars Battlefront, Mad Max, Agatha Christie's et ABC Murders, et qui vous permet d'avoir des prix réduits sur un grand nombre de jeux. Encore une fois, merci à eux, merci à vous pour votre sympathie, merci à vous pour votre fidélité. C'est toujours un plaisir de faire toutes ces vidéos pour vous, chers amis. C'est pour ça que je suis toujours aussi écœuré quand il y a un bug de ce genre, hein. C'est comme ça, mais malheureusement, je ne peux rien y faire, je suis désolé encore une fois. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et yop.